Devant ma télé, je pensais qu'elle est centrée, moi, Sharky. Sur lequel? Sur le deuxième. Non, la frappe, c'est... Non, non, non. Non, ah bon? Non, non, il est en bonne position. On voit tout de suite qu'il prend, l'initiative d'aller au but de suite. Là, il y a même pas, il tergiverse pas. Ah bah ça, je vois bien qu'il tergiverse. Non, voilà, il vient. Bah, pourquoi vous avez douté, là? Bah non, mais avant que le ballon lui arrive, je me dis, il va la mettre dans la boîte, quoi. Non, non, en plus, il y a eu pas mal d'occasions dans ce match, comme ça, des tirs un peu en angle mi-fermé, bah, oui. Où le but de Lacazette est un peu sur le même ton. Barcola en a une aussi, à un moment donné, qui croise un petit peu trop. Non, en plus, il la prend pied droit, quoi. C'est-à-dire que ce garçon, il a les deux pieds. Il envoie, tu peux pas mieux la placer parce qu'il la met tendue. Donc ça, on sait que le gardien va tendre le pied au sol. Donc elle est juste à mi-hauteur pour pouvoir éviter le pied du gardien. Elle est super dure à mettre. C'est un geste technique de très haut niveau, ce qu'il nous propose. Mais là où je trouve que c'est particulièrement remarquable, ce que fait Cherki, c'est que pour moi, ce soir, il est le symbole de ce qui a différencié finalement Lyon et Lens. C'est-à-dire que, niveau d'engagement et d'intensité, elle est à peu près égale. Enfin, les deux équipes le voulaient, ce match. Ce qu'on dit de Lens, qui a manqué de justesse, de talent, moi je dirais même, ben, en fait c'est Cherki qui l'avait. Cherki, la petite passe là, qui est micro-dosée, qui est parfaite, la frappe, qui est chirurgicale, tout ça les Lensois ne l'ont pas eu. Et je trouve que sur ça déjà, il symbolise un petit peu, c'est lui en fait le facteur le game changer. Voilà, exactement. Et l'autre truc qui me fait dire qu'il faut le souligner aussi, c'est que c'est le vrai pari de Laurent Blanc. Là, pour le coup, moi, j'ai été assez dubitatif sur ce qu'apportait Laurent Blanc, la direction qu'il prenait. En tout cas, le vrai choix qu'il a fait, c'est quand même Cherki. Et ce n'était pas évident, parce que Cherki, c'est quand même quelqu'un qui peut te frustrer, c'est quelqu'un dont on ne sait pas s'il est vraiment mûr pour jouer, porter une équipe, en être le leader technique. On rappelle qu'il a 19 ans, on en parle depuis très longtemps, mais exactement. Il n'y en a pas 23. Et pour beaucoup de déceptions, à chaque fois, on se dit, tiens, il y a un truc, et puis finalement, tu es déçu. Donc ce choix-là, fallait le faire. Fallait l'installer, parce que tout n'a pas été réussi depuis la prise de fonction de Laurent Blanc. Mais je trouve que ça, c'est... Et là, il est en train d'en récolter les fruits. Je trouve qu'à ce titre, Cherki, il y a quelque chose de particulier. Pour moi, il est celui qui symbolise l'arrivée de Laurent Blanc. Frédéric, est-ce que comme Dave, vous trouvez que Cherki est en train de passer un peu dans une autre dimension, de trouver cette régularité qui lui faisait défaut? Ben oui, oui, et puis il dépouille son jeu. Je veux dire, la justesse technique, on a toujours su qu'il l'avait, mais il avait tendance à faire la différence, à vouloir la faire tout seul, à vouloir marquer un triplé, à vouloir être l'homme du match à chaque fois, pour justifier peut-être ce que tout son entourage et tout le club attend de lui depuis très longtemps, trop longtemps, parce que c'est pas évident de porter cette espèce de croix à 16 ans tout de suite. Et là, j'ai trouvé justement qu'il avait tendance à vouloir le faire seul, tu as raison. Voilà. Là, il était simple et collectif. Ouais. C'est-à-dire que les deux passes qu'il fait, parce qu'il n'y a pas que la passe sur le but de Lacazette, il y a aussi en profondeur, c'est magique. Pour Dembélé, c'est magique, vraiment, c'est une super passe. Même des situations au milieu de terrain où il est ouvert de l'autre côté, il est sorti de... Voilà, c'est vraiment le match plein, le match complet, mais un match simple, quoi. Simple, avec son talent. Vous avez douté de lui, non, mais on parle en des années. Cette presse française... S'il y en a bien un, s'il y en a bien un qui a milité ici pour lui... Et là, tu vois, tout le monde a dit, s'il y en a un qui a milité... J'ai toujours dit. Ressortez les émissions, s'il y en a un qui a milité pour lui, ici, c'est Bibi. Derrière Apadou. Dave a vraiment été... Il a pris Marou, il a pris... Non, mais je trouve qu'il avait... Il faisait déjà des très bonnes rentrées en jeu. Alors, ça fait un moment qu'il faisait des bonnes rentrées. Donc ça veut dire que dans l'état d'esprit, il y était. Après, il manquait simplement qu'un entraîneur lui fasse un petit peu plus confiance. C'est-à-dire que il rentrait bien, on le titularisait, puis quand on le titularisait, il était moins bon. Mais tout de suite, on le ressortait. Ben, il fallait lui laisser 3-4 matchs le temps de s'installer, le temps de démontrer des choses, le temps de prendre le rythme, le pli. Vous savez, quand vous jouez 20 minutes et quand vous jouez 90, c'est pas la même chose. Il faut accumuler, il faut l'oxygène, il faut tout ce qui va avec. C'est pas évident pour ces gamins-là. Donc maintenant, il a la confiance de l'entraîneur. Il lui manquait ça, d'avoir un entraîneur qui lui fasse vraiment confiance, qui lui dise « Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire et puis je vais te donner le temps de jeu nécessaire. » Il prend ses responsabilités, puis il y a un truc, un tandem là, qui se crée avec Lacazette. Ce matin, je lisais dans le journal une ressemblance avec le tandem Lacazette-Fekir. Ça y ressemble. Ben on le souhaite. Voilà. À Lyon, on va noter Ryan Cherki pour voir quelle note vous allez lui donner. 8 pour Ludo, 8 pour Dave, 8 pour Karine, 8, 9. Ah, un 9, il fallait être plus généreux. Karine, vous voulez ajouter un mot sur Ryan Cherki? Très bon match, très juste, très collectif. On aimerait le voir tout le temps comme ça. Elle est enthousiaste, là. Mais tout a été dit. Calme-toi. Je trouve que t'en fais trop. Moi, je mets 9 par rapport à son passé récent. Très bon match. T'en fais beaucoup trop. Je voudrais le voir tout le temps comme ça. Je voulais que je lui mette 10. Non, mais j'aimerais que vous fassiez des bons sur votre chaise. Mais c'est pas mon genre, non? Non, c'est vrai. Vous voulez que je vous dise qu'il va être dans la liste de Didier Deschamps au mois de mars? C'est pas mon genre non plus. Non, mais est-ce qu'il peut y être dans 2 ans?
Dans deux ans. Il a 19 ans. Je pense qu'il signe. Si on lui dit dans deux ans, t'es en équipe de France, il va signer, non? Ah, je vous croyez, vous, vraiment? Moi, je pense que pourquoi il n'aurait pas envie d'être dans la liste dans 6 mois ou dans 3 mois. Je peux vouloir aussi présenter le jeu. Non. À mon avis, il y a plus de chances pour que Cherki soit dans une liste de l'équipe de France que vous, malgré tout votre talent. À quelle échéance? Pour vous? Si vous me dites Cherki dans vous n'avez pas précisé quel JT déjà. Non, mais je dis dans les 6 mois, c'est possible. Dans les 6 mois, ça fait. Alors que vous, dans les 6 mois, sur une grande chaîne. En présentation du 20h. Faisons déjà le 20h30 info, ça sera déjà pas mal. Vous allez prendre 20h, il y en a que moi je disais sur une grande chaîne, Frédéric Verdier. Je sais que vous bossez aussi sur les médias alternatifs, mais là vous êtes sur une grande chaîne. Mais c'est super beau. Je parlais du 20h. Voilà. Oui, vous avez bien compris. Chez l'équipe, c'est pas le 20h. Passons. Non, pas encore. Mais il y en a que deux qui le font. Hein. Lens a lieu au podium. Et oui, parce que c'est quand même aussi l'enseignement de cette soirée. Lens est sur une très mauvaise dynamique. On peut peut-être d'ailleurs afficher le classement pour s'apercevoir que Lens est tombé du podium, ce qui n'est pas très original comme question d'ailleurs, Fred, mais qui sans doute se justifie aussi. Bon, le classement, il arrive, me dit-on. Donc le temps qu'il arrive, qu'on montre la prison. Ensuite, on aura le classement. Je peux le donner dans ma voix, ça ira plus vite. Non, Lens est quatrième, 46 points. À un point uniquement de l'AS Monaco et à 3 de l'Olympique de Marseille.